Bonjour, ici iPod Touches Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment shaker pour déverrouiller ou verrouiller votre iPod Touch ou iPhone Jailbreakers le firmware 3.0 Plus. Alors, admettons, je shake, il faut shaker vraiment fort, là. C'est juste j'ai. Pour shaker. Je vais déverrouiller. Admettons, je shake. Il va verrouiller. Je déshake, bon là je l'ai. Il va se déverrouiller. Alors, c'est juste un petit shakement de même là. Pour déverrouiller ou verrouiller votre iPod Touch ou iPhone, jailbreaké sur le firmware 3.0 Plus. Alors, dans le fond, c'est une application, mais c'est ça, ça fait juste verrouiller ou déverrouiller. Normalement, vous devez, bien sûr, vous ne devez pas avoir de code ici pour déverrouiller, ni Android Log. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de code. Il faut que quand vous slidez, ça slide sans vous demander de code pour pouvoir faire ça puis pouvoir faire le déverrouillement. Si vous avez un code, le verrouillement ça va fonctionner pareil. C'est juste le déverrouillement que ça va pas fonctionner. Alors pour avoir cette application là, il faut aller dans Cydia. Cette application est gratuite via Cydia. Alors on va aller sur Cydia. Vous allez dans Search en bas à droite et vous allez taper iShake Lock. iShake, ça, comme ça. iShake Lock. iShake Lock is a simple mobile substrate. Trois petits points. On appuie dessus. Installer, confirmer. Une fois que c'est installé, vous devez aller dans Réglages. Vous allez dans iShake Lock ici. Là, vous allez avoir quatre affaires. Enable iShake Lock pour que quand vous shakez, ça fonctionne. Vibrer, c'est quand ça. Dans le fond, quand vous faites ça, ça va vibrer. Si vous voulez pas que ça vibre, mais dans le fond, vous le désactivez. Ça va plus vibrer. La destination. Quand vous brassez, soit que ça vous emmène sur le lock screen ou soit que ça le verrouille. Alors, admettons le lock screen, c'est ça. Puis tandis que le sleep, c'est ça. Ça le ferme, ça le met en veille. Puis le enable unlock, c'est dans le fond quand vous brassez, puis quand vous rebrassez, ça le remet. Ça, si vous le désactivez, si vous le refaites, il va pas se rallumer. T'sais, il va pas se s'ouvrir, il va juste se mettre sur le lock screen quand vous allez faire ça. Même pas. Je sais même pas s'il va l'afficher. Non, c'est ça, il l'affiche pas. C'est ça, dans le fond, le Enable Unlock, c'est pour déverrouiller quand vous êtes sur le mode de veille, dans le fond. Tandis que si vous l'activez, puis là, je le ferme, tu sais, il se déverrouille. Alors, c'est ça, dans le fond, iShake Lock. C'est ça, j'ai de l'air retour en faisant ça tout le long, là. Mais c'est juste, dans le fond, pour vous montrer. Fait que si je le mets avec vibration, puis tout, puis on finit en beauté. Et voilà, il est verrouillé. Ah, je vais le déverrouiller. Et voilà. Fait que dans le fond, c'est une application pour vous montrer comment verrouiller, déverrouiller d'une autre façon, dans le fond, sur votre iPod Touch ou iPhone. Jailbreakers le firmware 3.0 ou plus. Bien sûr, pour l'iPod Touch, ça va pas fonctionner la vibration puisque l'iPod Touch n'a pas de vibration. Alors, c'est ça, c'était iPod Touches Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchespro.com. Et n'oubliez pas, dans le fond, de vous abonner à mon canal YouTube, juste à droite, en cliquant sur s'abonner. Et quand vous cliquez sur s'abonner, cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça, c'était iPod Touches Pro. Merci.